m'appelle Vic, je m'appelle Mélissa Lomi, j'ai 20 ans, et comme vous pouvez le voir sur ce que je porte, je suis la candidate numéro 11 ce soir. Du coup, je m'étais dit que ça pouvait être un petit peu rigolo de vous donner 11 bonnes raisons de voter pour moi ce soir, en vous expliquant à quel point j'adore la Corcoyote, que j'ai toujours rêvé de rencontrer Jean-Pierre Fougeot, mais c'est un peu prétentieux de donner 11 bonnes raisons. Alors je vais faire une présentation un peu plus simple. Il y a quelques années, je suis tombée amoureuse de la scène. J'ai eu la chance de participer à de nombreux défilés au profit d'associations telles que Semons l'Espoir. Et vraiment, ce monde d'élégance et de paillettes m'a beaucoup plu. Et donc, naturellement, je me suis tournée vers les Miss en me disant que c'était la continuité. Et là, j'ai découvert qu'être Miss, c'est bien plus que l'élégance, c'est bien plus que les paillettes. Être Miss, c'est créer le bonheur autour de soi, c'est rencontrer des gens vraiment merveilleux, que ce soit des organisateurs d'événements, des associations comme Kiwanis ou Prader Lully, des partenaires de l'élection, comme je pourrais vous en citer plein, je veux dire ceux qu'on a vu aujourd'hui, donc Loris Coiffure, le salon Cocoon et un fleur de peau, mais vraiment tous ont été merveilleux avec nous. Donc voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui nous permettent de vivre une aventure exceptionnelle. Et donc ce soir, être élue Miss Franche-Comté, ce serait l'occasion de présenter une région qui est audacieuse, qui est authentique et pleine de fraîcheur, et des Franc-Comtois travailleurs et au grand cœur. Alors, je voulais vous dire aussi que j'ai déjà eu la chance de vivre une aventure un petit peu exceptionnelle. Donc, j'ai vécu quelques mois au Canada, en Colombie-Britannique, et ça m'a vraiment donné goût aux choses qui sortent du commun. Donc ce soir, je compte sur vous. Vous avez les cartes, ou plutôt les bulletins en main, et j'espère que vous allez faire un bon choix et envoyer une fille qui le mérite vivre un rêve éveillé. Voilà. Merci beaucoup.